Mesdames et messieurs, donc nous allons procéder, c'est l'heure légale en général vers 16h, à la vente aux enchères d'une pièce hors catalogue que les Hospices de Beaune offrent au profit de deux associations, la Fondation Cœur et Recherche, qui est représentée ici par mes deux voisines, Katia et Virginie, et l'association, la Fondation pour la lutte contre le cancer, qui est représentée par Claude et Valérie Bonneton. Donc c'est un Corton-Bressan de Grand Cru qui est mis en vente. Donc je vous remercie d'être généreux et je vais aussitôt passer la parole peut-être à Virginie Ledoyen. Bonjour. Je tenais tout d'abord à remercier la Fondation Cœur et Recherche qui nous fait l'honneur à Katia et moi de nous avoir choisis pour être marraines aujourd'hui de cet événement. Alors aujourd'hui il y a environ 220 morts de maladies cardiovasculaires et dont 110 de morts subites chaque année. Donc clairement la recherche, elle est capitale, elle est essentielle et malheureusement l'aide publique ne suffit pas, donc nous avons besoin de l'aide de généreux, de très généreux donateurs, pas seulement généreux, très généreux, et nous comptons sur vous. Je vous remercie. Ah, je crois que vous allez me pardonner si je vais dire en anglais parce que c'est international. In purpose not to stay alone, we found a way to communicate with each other in a form of dialogue, but also in a form of sharing things. Today we are here all together to share energy. I hope we're gonna wake up a little more and we'll be more active, but also most importantly to share our money for the purpose, which is very important, of the Foundation Cœur et Recherche, to remind us our responsibility to share our responsibility for a better future, for a better life, more beautiful life, and longer life. So please, let's try to give as much as possible, give our example that we always stand together when it's about our lives, our rights, and our future. Thank you. Bien, écoutez, le cancer est une sacrée saloperie. Et on est sur le point, on s'en rapproche, d'avoir des résultats formidables. Et ces résultats, c'est le résultat de toutes les forces que l'on peut générer, et surtout avec la générosité. Un jour, j'avais demandé à mon père, qu'est-ce que c'est que la chance ? Et il m'avait dit, c'est la récompense de tous les gens généreux. Voilà. Donc aujourd'hui, si votre générosité est à la hauteur, inconsciemment, la chance sera de votre côté. Voilà. En tous les cas, je suis très très heureux de mener ce combat avec une actrice formidable à qui je vais passer la parole. Et j'espère qu'on va battre des records, car les records sont faits pour être battus. Bonsoir tout le monde. Écoutez, pour moi, c'est très important de représenter la Fondation ARC. Parce que voilà, j'ai personnellement une grande admiration pour les médecins. Je trouve qu'en France, on a de grands médecins, de grands scientifiques, et c'est évident qu'il faut tout mettre en œuvre pour les aider, pour les soutenir. Les médecins sont prêts à donner leur vie pour sauver celle des autres. Alors évidemment que c'est à nous de donner pour les autres, de donner pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Voilà, donc on compte sur vous aujourd'hui pour relever le défi. On compte sur vous pour être là, pour être audacieux, pour être généreux. Voilà, vive le tanin, vive les Hospices de Beaune, vive la vente aux enchères aujourd'hui. Dans tous mes films, j'ai essayé de faire l'apologie de la vie, malgré sa date d'expiration. Donc pour ce Corton-Bressan Grand Cru, nous allons débuter les enchères à 20 000, 25 000 euros, à 25 000. À 25 000 euros, 25 000 euros. 28 000, c'est par le crieur sur ma droite, à 28 000 euros. À 28 000 euros. À 28 000. Et comme vous savez, 30 000 sur ma gauche.
Voulez-vous 32 000 ? 32 000. En voulez-vous à 35 000 ? 35 000. Droite. Monsieur. Droite. 38 000. Voulez-vous 40 000 ? À 38 000, c'est sur ma droite. En voulez-vous à 40 000 ? Oui, 40 000. Voulez-vous 42 000 ? En voulez-vous 42 000 ? C'est une enchère, madame ? Non. À 40 000, c'est sur ma gauche. Il y avait une enchère là sur la droite. À 40 000, l'enchère est ici, à 40 000 euros. Vous savez qu'on a vendu des pièces de président à des valeurs bien, bien supérieures. Donc, il est... Pardon ? Il manque les présidents ? Ils arrivent. Ah ben voilà, ils arrivent. Voilà. On arrive, oh là là, on arrive tout de suite. Un homme et une femme. Mais à 40 000, c'est pas beaucoup, hein. Voilà. Ah, si. Je crois que c'est vous qui devez vous mettre au premier rang. Je pense que c'est... vous aurez beaucoup de succès. Vous aussi. Et moi, je vais me mettre à votre place. Voilà. Voilà. Alors, moi, je fais les enchères et vous, vous essayez de les susciter. Bien sûr. Donc, nous étions à 42 000 euros sur ma gauche, par monsieur à ma gauche. On n'a pas d'autres. Qui dit... Ben, on va vous en donner, certainement, tenez, voilà, à 42 000, monsieur. 45 000 ici, 45 000 ici, voulez-vous 50 000, en voulez-vous à 55 000 ici, à 50 000, c'est à haute voix, monsieur en bordure d'allée, 60 000, à 60 000, en bordure d'allée, 70 000, voulez-vous 80 000, je suis sûr. À 70 000, c'est sur oui. ma droite, à 70 000 euros nous sommes, à 70 000, 80 000 sur ma gauche. Voulez-vous 90 000 à droite ? À 80 000, c'est merci au centre maintenant. Sur à 80 000 euros, nous sommes. 80 000 euros. De la pièce de charité des Hospices de Beaune, vous le voyez, on est en plein dans le, voilà, dans le début de cette vente. On rappelle qu'il y a toujours une pièce dans cette vente de charité. D'habitude, le reste de la vente sert au fonctionnement de l'hôpital de Beaune. Mais cette pièce, elle est vendue au profit d'œuvres caritatives. Cœur et Recherche et la Fondation Arc aujourd'hui. Vous voyez Valérie Bonneton, Claude Lelouch, la pianiste Katia Bouniatichvili et l'actrice Virginie Ledoyen qui sont en train d'essayer de faire monter les enchères de cette pièce de Corton Grand Cru. Et donc c'est toujours un moment très particulier qui en général se passe une heure après le début de la vente. On va rappeler que l'an dernier c'était le record absolu de la vente avec 480 000 euros la pièce de Corton. Donc vous voyez les prix qui montent et on va vous laisser écouter parce que les parrains et les marraines font monter la vente. On vous laisse écouter ça. Plus 100 places gratuites pour aller voir mon prochain film. Ah oui. C'est à cause du Club 13. Allez, 113 000. 115 000, je crie à table. Avec 100 places en plus. Alors où sommes-nous ? 113 000. Qui dit 113 000, s'il vous plaît ? 113 000. Alors, est-ce que vous voulez pas dire 133 000, qui est une forme de 13 aussi ? Encore ? Monsieur, non ? Et vous aurez peut-être même 150 places, ou 133 places, si vous dites 133 000. Le meilleur des vins. Absolument. Monsieur. S'il vous plaît, on a l'air... À 133 000, vous avez 150 places. Voulez-vous 133 000, monsieur ? Monsieur et madame. Vous êtes d'accord ? 133 000. Oui. Est-ce qu'on peut voir la personne qui dit 133 000 ? Ah, merci. Bravo, monsieur. Merci beaucoup. 133 000. Mais merci si beaucoup. On fait 133 000. Monsieur, au fond, vous n'avez pas envie de dire 150 000 ? Ça veut dire oui ? Monsieur, s'il vous plaît. 140 000. Ouais. D'accord. Magnifique. Allez. Et si on monte en... Monsieur avec l'écharpe, vous voulez pas me dire 150 000 ? 150 000, 150 000. Merci beaucoup. Merci. Si on monte à 170, 150 veut 000 dire. Euros nous sommes, à 150 000. À 150 000. Alors, suivant, c'est 60. Monsieur, voulez-vous dire 160 000 ? Je suis très mauvaise en mathématiques. Oh, oui, si vous voulez. Oui, 150... Hein ? 155 000. Oui. Oh, j'ai mon 10 000 quand même. 160. 155 000. S'il vous plaît. 155 000 euros. 155. 160, la prochaine enchère, un chiffre rond. 160. 160 000. Ouh. Ici à droite. Merci beaucoup. Bravo.
Voilà, ce serait formidable qu'on non. puisse arriver 160 000 euros, vous venez de l'entendre, on vient de dépasser le prix de 2013. Mais on est encore bien en dessous du prix de la vente de charité de 2014 et de 2015. Donc, les parrains et les marraines vont continuer à essayer de pousser. Un concert privé à... Mais on ne va pas passer tout de suite à 200 000, à 170 000. À 170 000. Quelqu'un dit-il 170 000 ? À 170 000 la prochaine enchère. À 170 000. 170 000. C'est un très bon vent. On s'approche au prix de mon concert. À 170 000, s'il vous plaît. Monsieur qui était au fond. Oui, 170 000. Merci beaucoup. 170 000. On fait ça. Maintenant, on va faire Bourguignon et on va réfléchir. Le temps de donner 180 000. Le temps de réfléchir. Voilà. 180 000 la prochaine enchère. Monsieur. C'est comment la mélodie? Vous vous approchez du concert en tête à tête avec votre nouvelle amie. C'est comment la mélodie? Merci beaucoup. Non, je voudrais simplement dire que 180 000. Voilà. 180 000, c'est même pas le prix d'un concert de Katia. D'habitude, c'est plutôt 300 000. Donc, à 200 000, vous faites une super affaire, voilà. 180 000, c'est ici. Mais j'ai toujours tient la promesse, donc qui c'est vraiment. Qui dit 200 000 vrai. Elle tient toujours ses promesses. Qui dit alors, on va redire 000. Pour ceux qui nous rejoignent qui sur ce Facebook Live que. C'est beaucoup d'argent, mais que cet argent, c'est de la charité, puisque c'est de l'argent qui ira à deux fondations, Cœur et Recherche, qui soutient la recherche cardiovasculaire, et la fondation ARC, très connue, qui œuvre pour la recherche contre le cancer. Merci. Donc on vient d'arriver à 200 000 euros, et vous l'aviez entendu, la pianiste Katia Bouniachvili avait promis un concert privé pour la personne qui enchérirait à 200 000 euros. Bon, on va sûrement aller plus haut. Donc il faudra qu'elle décide la personne à laquelle elle attribuera ce concert privé. Meilleur que l'année passée. Peut-être on va augmenter un petit peu au moins c'est à ça. 200 000 parce que l'année passée c'était 200 000. Est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste dans la salle? À 200 000 nous sommes. Alors à 200 000 nous sommes. À 200 000. Qui dirait 213 000 le porte-bonheur de Claude Lelouch? Qui dirait 213 000 300 places. Même la séance entière, le cinéma. Le on cinéma. A plus peur, là, faut y aller. Le club hein oui, entier faut réservé à 213, faut pas la avoir peur. Qui dit 213 000 quand même. Ça ressemble pas à la France. À 213 000. D'autant qu'on est loin des records de l'année dernière. Hein. Oui. Donc on a encore de la marge. Hein. Voilà. S'il vous plaît. 213 000. Quelqu'un couvre-t-il l'enchère de 200 000 et nous annoncerait 213 000 en levant la main, même très discrètement, sans se faire remarquer. À 200 000 nous sommes. Qui dirait 213 000 213. Qui dirait 213 000 à 213. La chance va lui tomber dessus. Nous sommes à 200 000. La chance va lui tomber dessus. Personne ne couvre l'enchère de 200 000 euros. Ce serait dommage. À 200 000. Ça pète. S'il vous plaît. Nous allons être jugés à 200 000. Personne ne couvre l'enchère de 200 000. Non, s'il va y avoir 213, il va y avoir. Il va y avoir. Oui, à 200 000 euros. On ne va pas acquiquiner pour longtemps. Non, il va y avoir. À 200 000. Messieurs. Non. À 200 000. Je vais être jugé. Est-ce que vous voulez dire un mot, monsieur, à 200 000 vous ah voudrez oui. bien dire un mot 213. Pardon. Je pense que le simple peut faire encore mieux que ça. Oui. Oui. Bravo. Bravo. J'espère que vous serez entendu. À 200 000, nous sommes. À 200 000. À 200 000, c'est bien vu, on va être jugé à monsieur à 200 000 euros. À 200 000, c'est bien vu, à 200 000. Je t'attends, le marteau, c'est moi. Vous. C'est moi personne le ne couvre l'enchère de 200 000. Ah, si, on a trouvé. On a... Non, pour la dernière fois. Parce que c'est pas pour nous, hein, vous savez. C'est pour la recherche. À elle 200 a 000 euros. Allez, attends, vos dons. Allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non. Non mais moi je
je crois qu'on est arrivé. Des fois, il faut se lâcher, quoi. Il faut se lâcher maintenant et d'être émotionnel un peu. Dernière demande. On ne va pas demander plus, c'est promis. On va arrêter sur 213. C'est bien vu. 210. 213. Pas d'enchères au-delà de 200 000. Je crois qu'on va juger si vous êtes d'accord. Adjuger 200 000 à monsieur, merci infiniment. Et merci beaucoup. Venez, est-ce que vous voulez bien venir ici, monsieur? Monsieur. Voilà. C'est toi qui prends la suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Partage la pièce. Voilà. Mais vous allez peut-être vous mettre au milieu, expliquer et vous présenter peut-être. C'est promis le concert. Ah oui. Vous voulez pas dire un mot, expliquer un peu. Si. Voilà. Pardon. Moi, je... Mettez-vous peut-être au milieu vers les anges. Voilà. Allez. Pardon. Pardon. Là, mettez-vous là au milieu, tout le monde va bien Monsieur vous voir. Vous allez être photographié, célébré. Merci. Et vous le méritez. Voilà. Merci. Fidèle des hospices de Beaune, vous êtes tous, je suis aussi, ça fait 30 et quelques années que l'hôtel CEP achète aux hospices de Beaune. Madame Sao a déjà eu nous a fait l'honneur déjà d'acheter la pièce du président en 2013. Donc on partagera cette pièce ensemble. Évidemment, moi je parle français, ça m'est plus facile. Donc ce que je veux dire simplement pour nous, c'est que si on l'a fait, c'est parce qu'il n'y a que des bonnes raisons de le faire aujourd'hui. La qualité des présidents qui sont là ne pouvait que nous y inciter. Les thèmes contre lesquels on va contribuer à continuer à se battre le mérite, tout simplement. Et ça paraissait logique de le faire. Très sincèrement, je pensais que ça allait pouvoir monter encore davantage, parce que pour les mêmes raisons, ça le valait. Ceci dit, on sera ravis de recevoir encore à nouveau pour les concerts privés, pour tout le reste aussi. Là. Merci cinéma, à vous d'être là. Cinéma. Pour le cinéma, oui, mais Claude, il sait combien le 13 m'a fait plaisir aussi. Il sait pourquoi, je le remercie infiniment. Donc c'est juste du bonheur, c'est juste du plaisir. Le vin, c'est le sang universel qui fait que... C'est la vie. C'est la vie, bien sûr, d'abord. Et ensuite, c'est la qualité de la vie, parce qu'autour d'une bonne bouteille, on est tous amis et on est encore plus forts. Merci à vous tous, continuez les enchères, c'est pour une bonne cause. Et puis je ne peux pas non plus ne pas associer le souvenir d'Antoine.我只会一点点英语和法语，只能听一点点。我来勃艮第很多年了，这里的美食、美酒，还有这里的人，我都很喜欢。我希望勃艮第的美酒呢，能够在中国市场呢，就是说有一席之地，也能够在中国呢发扬光大。我希望呢，中国的更多消费者呢，也能像我一样，很喜欢勃艮第，同时也喜欢勃艮第的美酒。谢谢大家。 Ah oui, faites la traduction. C'est la traductrice.
J'ai fait une petite traduction pour ma copine. En fait, elle ne parle pas français ou anglais en attendant. Mais bientôt, mais c'est la deuxième fois qu'on cherche pour des présidents. Donc, elle est ravie de recevoir les bons vins de Bourgogne et aussi faire tous les meilleurs vœux pour ce qu'on va faire sur Hospice de Bonne. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on va devenir bonnoise un jour. Bon, vous...